Cette vidéo montre une conversation entre Céline, Gilles et Monsieur Lorrain. Monsieur Lorrain est le propriétaire de l'appartement où Gilles et Céline louent chacun une chambre. Céline est la nouvelle colocataire et c'est la première fois que Monsieur Lorrain et elle se rencontrent. Céline est étudiante et ne touche sa bourse qu'en milieu de mois. Elle demande alors à Monsieur Lorrain si elle ne pourrait pas le régler à ce moment-là. Monsieur Lorrain accepte, même s'il a l'habitude de recevoir le loyer en début de mois. En contrepartie, il lui demande de le régler en espèces. Il prépare le reçu pour Céline. Gilles peut lui payer son loyer et celui de l'autre colocataire, Lisa. Monsieur Lorrain lui donne les deux reçus. Monsieur Lorrain, voici Céline, la nouvelle colocataire. Bonjour, ravi de vous rencontrer, Monsieur Lorrain. Bonjour Céline, bienvenue. Monsieur Lorrain, j'ai dit à Céline que le loyer pour la chambre simple était de 450 euros par mois et que toutes les dépenses pour l'eau, le chauffage et l'électricité étaient incluses. Oui, c'est vrai, merci Gilles. Monsieur Lorrain, je voudrais vous demander une faveur. J'ai une bourse et je reçois de l'argent le 15 de chaque mois. Est-il possible de payer le loyer le 16 ? Habituellement, les autres locataires me payent la première semaine du mois. Mais dans votre cas, je peux attendre jusqu'au 16. Je vous remercie, vous êtes très gentil. Céline, pouvez-vous me payer en espèces ? Oui, bien sûr. J'avais pensé payer par chèque, mais ce n'est pas un problème. Bon, en attendant, je vais préparer le reçu pour vous. Quel est votre nom ? Rivaud, Céline Rivaud. Dois-je aussi écrire l'adresse de la ville où vous résidez ? Oui, le reçu doit être rempli avec toutes les informations parce que je dois le donner au bureau des bourses de l'université. Bah, c'est bien, alors donnez-la moi. Je suis résidente au 11 rue de Rome, à Grenoble. Monsieur Lorrain, je peux déjà payer mon loyer, Lisa aussi. En ce moment, Lisa est en Bretagne chez ses cousins, mais elle m'a donné les 350 euros. Parfait, Gilles. Voici les deux reçus. Un pour vous et un pour Lisa. Merci beaucoup. Bon, j'ai affaire. Céline, je viendrai vous voir le 16. Très bien, merci. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.